résumé vous est présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Bon, un des deux gauchers, évidemment, derrière le ballon, Sané, l'autre étant Davis, et Kimmich, le droitier. C'est Sané qui a pris l'élan. Bam, le mur catalan est hermétique. Pedri, allez, l'accélération peut-être avec Depay, et ça peut arriver, là il y a Sergio Roberto de l'autre côté, non, si, le voilà, tiens. Peut-être surpris lui de voir ce ballon arriver. Bien joué, et là il applaudit, parce que c'est réussi avec Sané, non il ne peut pas passer, mais par contre les seconds ballons, pouah, quelle vitesse, quand ils accélèrent le Bayern, quand ils ont la possibilité de le faire, pouah. Et là c'est bien simple, tout le Barça est dans son rectangle quasiment. Il a un bon sang de Pavard. Oui. Sané. Pouf. L'arrêt. L'arrêt de Ter Stegen. Exceptionnel. C'est magnifique quand même comme arrêt. Il a un style très particulier. Oui, il n'y a pas grand monde, donc il essaie de la demander. Voilà. Raté. Même Busquets s'y met. Je vais vous dire. Ou Müller, il frappe. Oui. Non. Moussiala. Non, le retour, ils se sont jetés à 3. Où est-ce qu'il va ce ballon là? Il continue encore, mais qu'est-ce qu'il est vif! Où est ce ballon? Il faut se dégager là. Ouais, les phases arrêtées, voilà! Ah, ho, ho. Toujours aussi bien donné. Ils sont obligés quand même de jouer pratiquement dans... Voilà, comme ça, une, deux touches de balle. Oh, c'est bien joué. Oh, de l'autre côté, il n'a pas vu Pavard. Non, il va frapper. Là, il faut y aller. Oh ! C'est but. C'est but. Et franchement, il faut un petit peu de bol, là. Mais quelque part, c'est assez logique. Ouais. C'est dommage qu'il arrive comme ça, mais c'est assez logique. Oui, et pour une fois, ils ont frappé. Pavard, avec Luciana, oh, bonne passe, Sané, ah là 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 là, la vitesse, oh, quel arrêt Ter Stegen là-bas, Luciana, quand même piqué, 4 beaux restes, Zoulé. Ici dans 10 minutes, un quart d'heure, il fait monter Coman, ouais. Ça va faire très très mal. Ouf, elle portait bien celle-là, et celle-là aussi, ouais, et celle-là également. Lewandowski, ben lui, forcément, dès qu'il a une balle, on ne parle pas de lui. Quand on en parle, c'est qu'il y a un goal. Ah ben voilà, c'est Lewandowski. Ouais. Et évidemment, il surgit au bon moment, au bon endroit. Il passe devant son défenseur. Et ils sont surclassés à tous les niveaux, Marc. Écoutez, Thomas. Écoutez les coups de sifflet. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On est à la 55e. C'est 0-2. J'ai très peur. Oh, Gnabry. Oui. Il n'y a pas de jeu là ? Non. Non. Non, il n'y a pas de danger non plus. Ils n'ont pas toujours fait les bons choix, hein, dans le rectangle du côté du Bayern. Vladimir, il a été un peu gourmand avec le troisième. Non. Si. Non. Oh. Lève-la, tiens. Avec Lewandowski. On savait que ça allait se terminer avec un troisième minimum, Thomas. Quand on suit le football comme ça.
Mais en attendant, là c'est Demir hein, qui perd le ballon, ouais. Qui est gourmand là. Ouais, il se fait déposséder de la balle. Je peux vous dire que je regardais Nagelsmann, il n'était pas dans la gestion lui, hein, parce qu'il a sauté sur le terrain, il voulait absolument ce troisième but. Hein. Stanisic, chercher l'appui, Coman, oh, bien vu, même du gauche il frappe lui. Ouais, il aurait peut-être pu s'abstenir, mais voilà, c'est un cas parmi beaucoup d'autres. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.